Salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Je suis revenu vous faire une chanson que je viens de découvrir ce matin. Je suis allé sur mon Facebook et j'ai trouvé un truc que Hit Radio avait mis en ligne. C'est une chanson de Ahmed Sultan qui est toute nouvelle, qui s'appelle This is Who. This is who I am. This is who. Hein? This is who I am. Alors, la chanson, elle est faite sur 4 accords. Le champion du monde de la chanson simple, comme on a dit. Un Fa mineur. Un Do mineur. Et un Mi bémol. Cette fois majeur et un si bémol, d'accord. Alors, et il commence sur un do, mais sur le riff de la guitare, il revient sur, donc il revient sur le fa, d'accord. Je vous ai préparé une petite loupe. J'espère que vous entendez ça. Ah. Donc, voilà. Et la chanson tourne, tout simplement, les accords tournent, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, quand il dit this is who I am, this is who, il y a le guitariste que je suppose, je ne sais pas si c'est un guitariste marocain ou pas, il fait, je vais vous montrer. Déjà, le beat, il est un peu berbère. Hein. Alors. This is who. This is who I am. This is who. D'accord, etc. Donc, encore, n'allez pas faire des commentaires sur la manière, sur ma manière de chanter. Moi, je vous montre les accords, c'est tout. Hein? Et la chanson, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Encore, un. C'est un Fa mineur et il passe de là à un Do mineur. Donc, c'est joué électrifié sur une guitare électrique. Et. Il doit mettre un Mi bémol et un Si bémol. Vous pouvez les jouer ici aussi. Alors. Alors, si vous avez un setup d'une guitare en 5 positions, je suis dans la 3e position, c'est-à-dire bien au milieu. Donc, ça et ça. Hein? Et il y a une petite delay derrière, très minime, hein? Très très minime. Genre, peut-être une seule répétition, même pas. Donc, y a un truc qui est très intéressant. Je crois que le guitariste n'est pas marocain, moi je vous avais dit. C'est pour ça que les chorus, il les fait. Les chorus, il fait. Bien entendre ça avec un guitariste marocain, ça donnerait quelque chose de plus intéressant, moi je crois, d'accord, ne serait-ce que toucher sur la pentatonique berbère.
explorer, des trucs comme ça, pour vous amuser, quoi. Mais la chanson, encore une fois, c'est, je vais essayer de mettre, je n'ai pas déchiffré les paroles, mais de toute façon, je crois qu'ils disent quelque chose comme « What if I sent you something to keep you reminded ?» Alors, Mohamed, il dit « These days down the soon are back », un truc comme ça. I see it in your eyes, full of pride. Don't fight for nothing. Un truc comme ça. This is our way to show you we care. This is our way to keep you closer. Franchement, très très belle chanson. Et moi, je vous ai montré les accords. J'espère que c'est clair. Quatre accords qui tournent encore une fois. Un Fa mineur, un Do mineur, un Mi bémol, d'accord, et un Si bémol, d'accord. Ah ben j'espère que ça va vous plaire. Je crois que voilà, la manière de jouer. C'est ça, hein, parce que j'ai écouté 3-4 fois. Donc voilà. Donc la chose la plus dure, en fait, la chose la plus dure n'est pas les accords. La chose la plus dure à exécuter, c'est le jeu. Hein, le jeu des accords, la manière de les jouer. D'accord. De façon à faire sortir cet accent mi-berbère, mi-afro quelque chose. Il n'a pas tort, hein, le afro-bien, il n'a pas tort. Ahmed, tabarakallah alaykoum, bonne journée.